fait un petit tuto pour vous expliquer comment s'inscrire chez P2S. Donc, quand on vous envoie le lien, vous cliquez sur le lien. Une fois arrivé sur cette page, vous allez cliquer donc sur les trois petits points que vous avez donc sur votre gauche. Vous allez sur adhérer. Vous allez tomber donc sur la page des forfaits, donc soit le titanium ou bien le platinium au choix. Donc moi je vais prendre par exemple le titanium. Je clique sur devenir membre. Alors là, je vérifie qu'il y a bien l'identifiant de la personne qui me parraine, plus son nom et son prénom. Et là, donc, je peux aussi mettre la page en français. Hop. Voilà, traduire la page. Et là, je commence à mettre mes informations. Donc, on va mettre Alors attention à ne pas mettre ni d'accent, ni de ponctuation, ni de trait d'union dans vos noms, prénoms et dans votre adresse postale. Donc ici, nom de l'entreprise et SSN, c'est pour donc les États-Unis, vous n'avez rien à mettre dessus. Alors attention, la date d'anniversaire est inversée, donc c'est mois, jour et année. Là, vous mettez votre numéro de téléphone. Là, vous mettez l'indice. Donc France. Là, vous pouvez soit remettre votre numéro de. Enfin, vous pouvez remettre le même numéro de téléphone, c'est pas un souci. Après, donc une adresse mail. Là, vous recopiez donc votre adresse mail. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, ne pas mettre ni d'accent, ni de ponctuation, ni de trait d'union dans votre adresse. Donc là, l'état ou province, c'est pour les États-Unis, donc rien à mettre. Ici, vous mettez donc un pseudo, donc soit voilà un pseudo, soit votre nom et prénom, tout simplement. Voilà. Là, vous allez donc mettre un mot de passe. Et là. Donc ici, il n'y a rien à mettre en paiement passe-code. Vous allez donc cocher les deux petites cases et vous allez cliquer sur suivant. Ah, alors le mot de passe, d'accord. Il faut un caractère, donc il faut une majuscule. On va mettre une majuscule.
des chiffres et un signe, donc soit arrobas, soit dollar, soit pourcentage, peu importe, mais un signe. Je vais mettre une étoile. Voilà. Alors après, donc vous cliquez sur français. Vous allez tout en bas, vous allez cliquer sur agree. Voilà, vous allez retomber sur la même page, mais c'est police and procedure. Donc là, vous recliquez sur français. Vous recliquez sur agree. Et là, c'est les termes et donc les conditions. Vous recliquez sur français et agree. Et là, c'est donc la signature électronique, donc français. Ici, vous mettez votre nom de famille et agree. Voilà, donc là, vous vérifiez bien votre toutes vos informations, voir s'il n'y a pas d'erreur, quoi que ce soit. Voilà, on a bien pris le forfait, donc Titanium. Et après, vous cliquez sur suivant. Alors pour le paiement, c'est soit vous cliquez sur Bitcoin ou soit sur la carte bleue. Donc moi je vais cliquer sur la carte bleue. Et là, donc vous allez donc mettre soit carte Visa, soit Mastercard. Vous rentrez vos coordonnées et faites bien attention que le nom de la carte soit que l'adresse, tout ça, corresponde bien au nom de la carte de la personne. Voilà, vous rentrez les coordonnées du propriétaire de la carte, ça y est, j'y arrivais, pardon. Et voilà, et après vous faites procédure de la carte de crédit. Et voilà, et vous serez inscrit, vous aurez donc une bienvenue, félicitations avec votre code identifiant.